Le fait d'être né le même jour que Michael Jackson, est-ce que spirituellement ça a eu un impact sur ta carrière? De dire que grand prêtre Michael, 29 août, moi aussi héritier Watt à 29 août, est-ce que ça a eu un impact sur ta carrière? Non, Michael Jackson, c'est l'idéal Ouais. de tout artiste. Et être vierge comme Michael Jackson, ça m'a inspiré aussi beaucoup de choses. J'ai vu le combat que Jackson a eu, comment il s'est en sorti. Et je pense aussi que j'ai souffert. Et vous voyez que spéculation, parce que si je reconnais, j'ai à faire des erreurs, comme Michael Jackson a fait des erreurs. Mais et oui, je suis vierge par rapport à mon Astrologie. horoscope. L'horoscope de vierge. Pas vierge, il y a vierge, il y a virginité Papa, à. hein? Du coup, on va revenir un peu sur la carrière. On va revenir un peu Donc sur la voilà. carrière. Et on disait quoi d'abord? Et qui va m'envoyer On vierge avait à l'autre. l'histoire de Avec la Michael Jackson, réception. vous verrez que mini balouapé il attend ma caca. Dès que Michael Jackson fait avec. Et après, on a eu aussi. J'ai eu à faire des erreurs que je regrette aujourd'hui. Au moins, jeune âge, ou des succès avant. Au moins, si des succès, j'ai fait des erreurs qui me rattrapent aujourd'hui. Qui me rattrapent aujourd'hui, que je ne peux plus rien faire. Et qui j'assume. Mais je pense être une bonne personne pour l'avenir. Et surtout pour ma famille, pour mes enfants et pour mes proches comme vous, comme ça. Parce que les réunions sont faites, la salle de Camoro, pour ma bête, qui est. Par exemple, deux. Mais tu es souvent comprendre, passionnel. Je ressens ça aussi. Je veux peut-être être une bonne personne pour mes amis, pour mes frères, pour mes connaissances. Et je fais un effort maintenant de nettoyer mon Et avenir. est-ce que tu penses garder le même style musical ou pas? Non, moi je crois que Foridol et Kaoko Corobo, c'est Foridol. C'est la même. Je sais plus, il y Je a sais pas si tellement c'est la de, il y a même tellement de apprendre chansons ou c'est aussi. pas. Ou même Fulangenge, c'est pas la même musique, mais c'était toujours Papa Wemba. Donc on ne peut pas s'éterniser sur un cachet, comme parce que j'ai fait une chanson, BM a fait du succès ou tout en noir, je dois répondre, faire des reprises pareilles pour que ça marche. Non. Non. Plus on grandit, plus on développe notre musique, plus on crée de mélodies, plus on veut exceller, plus on veut donner quelque chose de nouveau. Je ne voudrais pas rester monotone parce que les artistes monotones, vous savez comment ils finissent. Moi, je ne voudrais pas finir comme les artistes, tous les artistes qui ont été des grands monotones. Moi, je veux toujours donner quelque chose de nouveau à mes fans. Donc, ils ne sont pas aussi exigeants, mes fans. Ils sont exigeants par rapport à la qualité de ce que tu vas leur donner, mais pas par rapport à. Une chanson doit par rapport à qu'une chanson doit ressembler à une autre chanson qui était déjà passée. Non, ils m'ont jamais demandé ça. Qu'Héritier fait une chanson comme BM, non, ils m'ont jamais demandé Ok, ça. d'accord. Mais ils me demandent toujours de faire des chansons plus que BM. Et moi, maintenant, de mon côté, je me bats à faire de belles mélodies plus que BM ou plus que Tout en Noir ou plus que Abétifo ou même plus qu'Affection de Tête Tendaï. Ok, d'accord.